Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, évidemment, vous n'allez pas voir ma tête. Pourquoi? Parce que je fais une crise d'allergie et j'ai les yeux qui sont pétés. Non, vous allez me voir que les mines et on se retrouve pour faire une petite création avec les dyes de BB Craft. Donc je vous rappelle, il y avait des feuilles, il y avait des fleurs, on avait un joli die comme ça pour faire une enveloppe, on avait des fleurs comme ça, mais on va pas utiliser tout, et il y avait un grand cadre et un moyen cadre, donc on va pas utiliser tout évidemment. Hein, donc je vous descends. Il faudra peut-être que je sorte la grosse machine parce que je crois que les dyes ne passent pas dans la petite. Allez, à tout de suite. Voilà, vous êtes sur mes mains. Alors j'ai mis autour de moi. Alors, j'ai trouvé dans les affaires. Alors c'était une vitre pour mon de protection pour mon monsieur cuisine que j'ai fait venir. Et donc j'ai récupéré la vitre et puis je me suis dit que ça pouvait faire une très belle pochette pour mettre des découpes dedans. Donc on va venir s'occuper du devant. Voilà, donc j'ai coupé un papier à ceux dans les blocs, mais les pas tout fins, mais ceux d'après. Là-dedans, donc je vais prendre la colle, s'occuper de ça, et hors caméra je viendrai faire le derrière évidemment. Alors, ce sera tout simple derrière en fait, hein. Je mettrai simplement un papier pour recouvrir. Hop. Donc je n'ai pas ancré ce papier-là. J'aurais pu, je l'avoue. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Pour la vintage photo. Allez là-bas, mon fond, parce que comme d'habitude, Béa, elle oublie toujours un truc. Ça serait pour Béa. Voilà. Un pompon. Enfin, un ustensile comme ça. Et puis je vais venir montrer ça comme ça. On peut. Ah, on va dire que. Voilà. Alors elle va vite. Hein. Enfin, elle va vite. Je me comprends. Enfin. Voilà quoi. C'est de l'ancrage, hein. C'est pas non plus. Voilà. Voici pour celui-là. Ensuite, on va venir prendre celui-là. Alors, c'est dans les blocs vintage. Est-il là? Non, ça c'est le grunge. Bah, dans les derniers blocs vintage qu'ils ont fait. Je sais pas ce que j'en ai fourré. Bon, bref. Alors, on va venir ancrer. Pourquoi? Bah, parce que le petit bord blanc, on n'en veut pas. Enfin, moi, j'en veux pas. Et puis, je vais prendre un stylo. Moi, je préfère ancrer et après gratouiller. Après tout, chacun fait comme il veut. Voilà. Après, je viendrai peut-être re-ancrer, hein, parce que là, le but, c'était aux endroits. Voilà.
Tout le monde c'est gratuit, hein, je suppose. Vous faites attention si vos ciseaux coupent de ne pas vous couper les doigts. On gratouille. Voilà. Vous voyez que ça passe déchiré par endroits. Donc j'insiste un peu sur le déchiré. Donc on va venir re-rentrer parce que du coup j'aurais dû faire ça avant, n'est-ce pas? Béa, 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 béa. Alors on ne demande pas que ça soit du parfait, hein. Évidemment. C'est du vintage, donc ça peut pas être parfait. Voilà. Puis là, c'est mon compatriote, c'est pas assez gratouillé à mon goût. On va bien gratouiller. Voilà. Hop, hop, hop. On va venir mettre ça là-dessus. Voilà. Comme ça. Hop. On colle, oui. Si la colle dépasse, pas de panique. Celle-là se gomme très bien à la main. Voilà. Hop. Non, dans ce sens-là. Voilà, voilà. Donc. On essaye de mettre ça droit, enfin, si c'est possible. Vous savez que moi c'est pas toujours droit. Voilà. Donc, ça, je pense que tout le monde sait faire, c'est pas compliqué. Voilà. Ensuite, voyons voir ce que je vais faire. Alors j'ai des restes de papier comme ça, du bloc vintage d'ailleurs, et j'aimerais bien, je sais pas trop ce que ça va donner ça, mais on va essayer. Je crois qu'il va falloir la grosse machine. Donc, je reviens. Elles ont été mis où mes plaques? Tu sais les petites plaques? Bah, tu sais les petites plaques de la machine, non? Je sais pas moi. Bah elles étaient là. Bah elles sont toujours là. Je ne vois pas. Attends, vas-y, pousse pas. Bah ça c'est la meilleure alors.
sont dans un truc en plastique. Non. Là. Merci. Et tiens, pendant que j'y suis, donne-moi du papier très fin, des blocs là. Et dans les tons. Bah, je sais pas, un peu. Non. Les blocs là, les petits blocs comme ça. Là. Ah, ça là? Ouais. Mais très fin. Non. Ça. Mais les fins, voilà les fins, c'est bon. Encore, elles sont pas très fins. Hein. On n'a pas des plus fins que ça. Je vais mettre dans les. Le marron. Le marron. Mmh. Marron. C'est très marron. Très marron. Presque orange. Ah, pas marron. Ouais. C'est marron ça. Ah oui, c'est marron. Celui-là. Et dans les tons. Rosé. Beige. Voilà. Tiens. Et puis, on va découper des petits bouts. Pour découper petites fleurs. Ça, de côté. Des petites fleurs, tiens, celles-là. Elles sont mignonnes, elles me plaisent bien. Donc, on va pas s'emmerder. On va prendre marron foncé. On va faire. Est-ce que ça rentre là? Ça rentre pas! Oh là là, ça m'énerve ça.
Je regarde si ça, c'est reparti. Ouais, c'est reparti. Hop, c'est bon. Parce qu'en ce moment, il me fait des petites misères, mon portable. Non, voilà. Alors, on va venir assembler tout ça. Et j'ai fait des petites fleurs avec ce die-là. Qui m'a fait un... Hop. J'ai un petit bout de washi qui est resté coincé. Donc, j'ai fait des petites fleurs avec ce die-là. Ça découpe nickel. Voilà, j'ai fait des petites fleurs. Puis, on va venir les assembler. Donc, on va commencer par cette petite pochette. Voilà, cette petite pochette. Normalement, elle doit aller comme ça. Donc, moi, je vais la mettre là. Alors, un filet de colle. Hein. Doucement, la colle. Voilà. Un chouille de colle. Voilà. On attend que ça prenne un peu. Je vais coller ça là. Voilà. Hop. Vous connaissez mon amour pour le travers. Donc, hop, on regarde si la petite carte elle va rentrer. On va certainement rentrer, mais il va falloir que j'y mette les doigts. Voilà. Ensuite, la petite tour Eiffel. Alors, idem, la tour Eiffel, on va la mettre là. Je vais peut-être la mettre en 3D. La tour Eiffel, on va la mettre en 3D. Bon, d'ailleurs, du 3D, il va falloir que je... Je pense à en acheter. Ça commence à être la dèche. Sur le 3D. Enfin, que je passe à Action et puis que j'en achète. Voilà. Alors moi, j'ai gardé le négatif. Hein. Vous voyez, je mets tout par terre aujourd'hui. Hein. Vous avez vu ça? Alors que j'ai une poubelle juste à côté de moi. Ah là 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 là. Voilà. Comme ça, si on veut glisser des choses en dessous, ça sera possible. Et je vais venir mettre ça là. Oula. Où est-ce que je me le mets? Je vais le mettre là. Idem en 3D. Aujourd'hui, on joue du 3D. Alors, ce die-là, ça donne ça. C'est avec une fausse couture, comme ça. Idem, c'est toujours avec Panda Hall. Select. Alors, j'ai plus d'ongles et j'ai une crevasse sur le bout du doigt, là. Ça me fait hyper mal. Voilà. Voilà. Et puis, bah, je suis venue faire des fleurs. Alors, les fleurs, on va s'amuser avec, n'est-ce pas? Donc, hop. Tu. Voilà. Voilà. Que je ne mettrai pas. Ouais. Allez, un petit point de colle. Hop. En quinconce. En quinconce. Chut, bouge pas. Ensuite, on va en prendre une plus foncée. Alors, j'en ai... Je sais pas si, si vous les voyez. J'en ai fait plein. Dans les tons beige, marron, caramel. Hop.
Donc, de nouveau, hop. Alors, ça, c'est super parce que ça se découpe super bien. Et c'est vrai que moi, j'avais pas de petits. Enfin, de petites. Comment? Fleurs. Et ça manquait cruellement. À la maison. Voilà. Parce que quand on peut faire nos petites fleurs soi-même, c'est quand même très sympathique. Voilà. Ça. Alors après, j'en ai une comme ça. Je vais en mettre une comme ça. Bon, alors. Une comme ça dans le milieu. Ouais. Ça me plaît bien. Et puis celle-là, on va la mettre là. Oh! Ça s'est décollé. J'aurais dû faire ça à la colle chaude. Ça aurait été plus intelligent de ma part. N'est-ce pas? Voilà. Et puis celle-là, on va la mettre là. Voilà, voilà. Et puis il me reste quoi donc? Il me reste des petites comme ça. Je vais mettre celle-là sur celle-là. C'est là sur la marron foncé là. Voilà. Et peut-être flafla. Puis celle-là sur celle-là. Allez, hop, sur, est-ce que je vais pouvoir la mettre celle-là? Ouais. Là. J'ai fait une bêtise. Hop. Voilà. Allez. Puis je vais mettre celle-là. Celle-là. Non. Ça fait moche. Celle-là. Sur celle-là. Hop. Voilà. Et puis évidemment, cela sur celle-là, peut-être que. Non, ça me plaît pas. Non, on les met comme ça. Ça me plaît mieux comme ça. Et puis je reviens, je vais chercher des petites perles. Voilà, voilà. Donc j'ai sorti les perles de chez Action. Voilà. Pour mettre sur mes fleurs. Donc on y va, on colle. On met un chou de colle. On prend la perle. Hop. Voilà. Hop. Tiens, on n'a pas là. Bon, on en met une. Elle veut pas venir avec moi. Voilà. Et puis mon manquine. Hop. Ça c'est une grise.
est vivante. Ah ouais, elle est encore vivante. Jolie. Voilà. Allez, on attend que ça sèche un peu et je vous reprends. Donc, on colle les petites fleurs. On enlève les opercules. Ah, on pousse. C'est pas sec. J'aurais dû prendre la tatiki glue pour faire ça. Voilà, voilà. Là. Là, il n'y a pas de scotch, évidemment. Celle-là. Où est-ce que j'ai dit que je la mettais déjà? Là, je crois. Je sais plus. Je me souviens plus comment j'ai dit que je les mettais. Pas grave. On va les mettre comme on peut. Je me souviens plus où j'ai dit que je les mettais. Je vais en mettre une là. Voilà. Et puis, je vais en venir en mettre une. Ah. Alors, 3 heures pour faire coller un truc, quoi. Non, mais j'y crois pas, quoi. Je vais la mettre là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre une des perles plus petite. Plus petite dans les coins. Faut que je retrouve mon pic pour mettre les perles. Pour prendre les perles parce que c'est pas pratique avec les doigts. On m'avait offert un pic et je sais pas ce que j'en ai fait. Voilà. Donc je viendrai mettre le sentiment pour la personne à qui c'est destiné. Et je vais vous lever un tout petit peu comme ça. Et je vous montre. Voilà ce que ça donne. Voilà. Une petite chose très simple. Voilà. Ça va s'ouvrir comme ça. Et ça n'a pas voulu tenir. Faut pas trop que ça soit manipulé. Enfin voilà. Et puis on se retrouve bientôt pour une seconde vidéo. Parce que je suis en retard. Dans les vidéos de présentation Babycraft. C'est pas cool. Donc, Babycraft, n'importe quoi, Panda Hall, excusez-moi, Babycraft, je ne sais pas pourquoi Babycraft d'ailleurs, enfin bon, bref. Et je vais vous faire de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, à bientôt, je vous aime.